Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo rapide sur cette plainte parce qu'elle a une petite histoire digne d'un feuilleton sur M6 en début d'après-midi. Donc, pour la petite histoire, ce plainte, c'est pas une plainte que j'ai commandée en fait. C'est une erreur mondiale relais. Donc, personne qui a envoyé ce plein à la base, pépiniériste, bon, je suis client chez lui, j'avais commandé en même temps, ou pas, non, j'avais commandé un mois avant à peu près. Et en fait, il y a eu un bug dans l'édition de ces étiquettes Mondial Relais, et ça a été envoyé chez moi, sauf que ben, pas de numéro de téléphone, lui de son côté, le suivi était totalement incohérent, en fait, il savait pas où était le colis, et aucune alerte de nulle part, donc. Le colis est resté de fin septembre à début novembre, ou non, mi-septembre à début novembre, en gros 51 jours. Il restait 51 jours à m'attendre parce que je commande très peu par Mondial Relais. Et là, bah, j'avais acheté des porte-greffes justement. Donc, en allant chercher ça, on me dit, vous avez deux colis. Et quand j'ai vu la tête de l'autre colis, je me suis dit, c'est pas la même chose. Et j'ai été très étonné de voir les dates. J'y comprenais trop rien, et en fait, arrivé à la maison, voilà, les dates étaient bien ce qu'elles étaient, donc 51 jours, autant vous dire que la plante avait l'air morte, totalement desséchée. Mais il y avait un petit bout vert, le porte-greffe n'était pas sec, même si la terre était sèche. Du coup, bah, j'ai rempoté ça proprement, parce que oui, bon, autant dire qu'avec le voyage déjà, il était à moitié déraciné, enfin voilà. Mondial, ça gigote. Il est pas mal desséché, mais il reste un petit peu de verre. Donc, j'ai bien rempoté ça, bien fait bassiner le tout pour bien réhumidifier la motte. Et derrière ça, je l'ai gardé au chaud. Et voilà maintenant. Elle a bien voulu repartir et je suis arrivé à la limite, je pense, parce que vu ce qu'il reste de greffon vivant, et d'où la pousse est partie, voilà, elle est partie quelques millimètres au-dessus du point de greffe, quoi. C'est vraiment. Ouais, il reste plus grand-chose de vivant, mais voilà. Voilà, du coup, je me retrouve avec un Satsuma Brand Select qui me paraît être sur 44,75. Donc, c'est pas mal, petit sauvetage, et bon, vu ses aventures, j'espère qu'il poussera bien et me donnera de bons fruits. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!